Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Robocraft, chers amis, toujours donc avec les Robocraft Days, hein. Je vous rappelle que ma tour est toujours là à côté, j'ai pas encore reçu le remboursement normalement, donc bon, quand je le saurai, quand j'aurai le remboursement, je pourrais me rendre chez le réparateur que j'ai déjà choisi au préalable, hein, pour tout simplement réaliser les réparations de la tour, hein, avec un minimum de délai. L'objectif, hein. Vous vous en doutez. Hop. Ok, niveau 120 plein milieu de l'écran, merci. The little fusion tower has been captured. Your team has captured the bottom fusion tower. Your fusion shield is now active. Ok. Ok, c'est bon. Hop. Très bizarre ce long temps de verrouillage sans pour autant me buter. Véritablement bizarre. Ok, on va attendre un petit peu par là. Il y a bien un moment qui va venir. D'ailleurs, je crois que j'ai vu quelque chose. Ça venait d'au-dessus ou d'en dessous? Je me grattais la barbe en fait. Arrête tes conneries. Oula! Your top fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower is under attack. Ok. J'avais pas vu venir celui-là. C'est fait heal ou quoi? Oula. Bon bah tant pis. Je l'ai pas vu venir en fait celui-là, donc je me disais mince, j'attendais celui-là en fait qui passe le petit. Mais ouais, non, erreur de ma part, erreur, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Il est toujours aussi difficile à contrôler ce robot. Je vais passer à un autre type de robot avec ce shotgun, hein. J'y réfléchis beaucoup en ce moment. Et vous inquiétez pas, au fur et à mesure, j'ai amélioré au niveau des commandes et de la vente des robots. Hein. Hop, appel. Ok. Ok. Dommage. Il est assez incontrôlable en fait, hein, mais une fois qu'on l'a en main, en fait au bout de quelques minutes dans la game, on l'a en main et c'est une bonne chose. Faut vraiment en fait, à chaque fois qu'on fait un mouvement, faut savoir le balancer, le contrebalancer avec justesse. Oh, tu me saoules toi. Nombreux, je vois pas où sont mes potes en fait. C'est chiant. Je me fais défoncer et je sais pas ce que font mes potes. Et lui il a un double shotgun, donc vaut mieux éviter de s'approcher. Il m'attend. Hop, il y a mon chien qui hurle, bien sûr. Autre chose. Oh non, pas un Tesseract! T'es pas sérieux! Je déteste ces saloperies. Quelqu'un peut se taper ce Tesseract à la con. T'es pas censé exister, t'es un déchet. Tu me diras, faudra que je m'en fasse un à bout d'un moment, hein. Hop, on va y aller en marche arrière, comme ça on va avoir un œil dessus. Hop. Hop.
T'inquiète. Ok. Là, il y a une couille dans le pâté. Ok. Bon, alors après vérification, chers amis, je n'ai pas perdu la connexion serveur vu qu'il m'a reconnecté illico. J'ai juste été kick de la game. Incroyable. Incroyable. Ok, bon bah pourquoi pas. Eh ben on y retourne. Tiens, pour la peine, on va partir en team deathmatch, classique. Hop, on va changer un petit peu les choses. J'espère que ça vous plaira, à tout de suite. Heureux, chers amis, donc on va bien voir. On va bien voir. On va bien voir ce que ça va donner. Ok, on a quelques robots assez intéressants. Je suis, t'inquiète. Ok, je passe. Hop, on a de l'aviation qui arrive avec nous, on y va. Hop, on se remet bien en position. Et on attend. Personne ne vient. Ok. On va essayer de le prendre quand même en main. Assez rapidement. Le plus rapidement possible. Hop, il est quand même vachement rapide, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est véritablement agréable. Hop. Feu à volonté. Je suis pas là pour le nombre de kills, hein. Je suis là pour la victoire, chers amis. Hein. Hop. Ça prendra. Vouloir t'approcher. Merci l'ami. C'est sympa. Hop. D'accord, ils sont tous là. Allez, recule. Merde. Il a pas voulu reculer et je l'ai payé. Dommage. Il a pas voulu reculer et je l'ai payé à cause de la pente. Je l'ai payé à cause de la pente, en fait, qui m'a empêché de reculer parce que j'avais pas la capacité de le couple en fait nécessaire simplement. Parlons automobile, parlons mécanique, parlons moteur. Je n'avais pas le couple en tout cas, l'énergie suffisante pour rebrousser, enfin pour faire face, tout simplement au poids et à la pente à remonter en fait, au poids du robot et à la pente à remonter. D'accord, bon bah pourquoi pas. On le saura à l'avenir. On se retrouve tout de suite parce que la partie a été courte. Et ça va peut-être être plus sympa pour vous en plus, ce genre de game. Ok, re, chers amis. Donc, en profiter pour voir les différents robots qu'on a. D'accord, on se tape des robots comme ça. Une espèce de pseudo Tesseract. Une voiture de course. Un double shotgun et un moi SMG, quoi. Enfin, SMG, shotgun, apparemment, il y a beaucoup de shotgun. Hein. Je vois pas l'intérêt d'avoir le shotgun et le... Ah, tout le monde va par là-bas. Bah écoutez, on va tous aller par là-bas. Blablabla. On va aller les rattraper un petit peu. Putain, je trouve qu'ils se déplacent quand même vachement vite, ce robot. Ok. En spotter quelques-uns. Merde. Hop. Là. Déteste ces fichus de Tesseract.
Putain de Tesseract. Que quelqu'un peut s'occuper de cette saloperie. Surtout s'ils volent aussi haut, c'est chiant. Cassez-vous. Cassez-vous. Faut qu'on y aille. Ah, il me saoule. Quoi? Ah oui, c'est parce que ça a déconnecté tout à l'heure. Ok, pourquoi pas. Hop. Essayons de le toucher une fois de temps en temps. Ok, il a disparu. Je suis meilleur que toi avec un shotgun. Hop. Celui-là on l'a eu. Il en reste deux. Ils sont pas sur les tours. Pas sur les côtés. Team Victory, dommage, j'étais arrivé au bout. Ah ah! Bon, je suis mauvais, hein, mais bon. On a gagné, on est resté vivant jusqu'au bout quand même, chers amis. Merde. Ça, c'est une victoire. Combien qu'on gagne? Juste pour savoir. Pas beaucoup, hein. Bon, à peine 100 000, c'est rien. Par contre, on a level up. Ça, c'est cool, on est déjà level 120, c'est une bonne chose. Bon. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va reprendre un petit peu le team Deathmatch classique pour quelques temps. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Non, pas trop bien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop. Et ceux qui sont premium, bah écoutez, n'hésitez pas à aller acheter les robots sous America virgule. Hop. Et Marcus Bonus. Moi, je mettrai d'autres robots en blanc directement dans le shop. Voilà, salut les gens. Et on est avec quel robot? Non, c'est pas celui-là. Bon, on repart avec l'autre. A tout de suite.